Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Gaming. On se retrouve à nouveau pour un petit let's play sur Animal Crossing Let's Go to the City. Mais attention, ce n'est pas n'importe lequel aujourd'hui. C'est le 30e. J'aurais jamais cru aller aussi loin. Et vous êtes toujours tous là, c'est simplement fantastique. Alors, on commence avec, vous allez le voir, la petite Zabou. Parce qu'hier, elle a tenté quelque chose et on va voir si ça a marché. Ici, oh bah, il y a plein de choses. Normalement, j'ai planté, rappelez-vous, une pelle. Et oui, j'ai la pelle en or. Je sais pas ce que ça a changé à ma vie, mais j'ai une pelle en or. Et elle a la classe. Ici, il y a quoi? On va laisser le fossile, on laissera le plaisir à Snow d'aller faire un tour. Maintenant, le stress monte parce qu'on a cette pelle en or. Et la vraie question, est-ce que cette saloperie d'oranger... Alors déjà, ça, c'était pas un oranger. Dieu merci. Si mon oranger est dans le même état, je crois que je pleure. Il est pas loin. Hein. Il est pas loin. J'y vais doucement. Parce que j'ai vraiment trop peur de l'avoir foiré. Il est là, normalement. Non, il a poussé. Ça, c'est mon petit oranger. Enfin, si je me trompe pas. Donc plus que quelques jours et j'aurai mes premières oranges pour en planter tout partout. Et ça y est, on a enfin tous les fruits. Eh ben dis donc, ça valait vachement le coup. Enfin, c'est vite dit, parce que je me suis quand même rendue malade à de nombreuses reprises à devoir envoyer, perdre du temps fou pour envoyer toutes ces saloperies de lettres. Oh non, ça faisait trop longtemps qu'elle s'était pas fait piquer. Vite, 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 vite. Ah, il court trop vite. Bon, on va l'acheter un remède chez Nook. Je suis sûre que ça vous avait manqué. Sa petite frimousse toute piquée. Je sais pourquoi je faisais plus les arbres. C'est un chiant. Il faut être honnête. Voilà le temps que j'ouvre le filet. Oh, presque. Dommage. Mon double pique, ma pauvre petite chérie. Alors je vous avoue que je fais cette vidéo, c'était surtout pour vous voir l'appel. Autant vous dire que je ne sais pas du tout ce qui va s'y passer. Mais c'est justement là, le plaisir d'Animal Crossing, c'est la découverte chaque jour. Bon, si on aurait pu ne pas se faire piquer. Oh, mes hybrides sont tous là. Tant qu'on est là, on va donner un petit coup d'arrosoir. Il va falloir aller vendre cette pelle, parce qu'avoir deux pelles sur soi, c'est déjà pas pratique. Hein. Ça évitera qu'il soit fané demain. Je crois que pour maximiser les chances des hybrides, il faut qu'il n'y ait pas de fleurs fanées. Hein. Hier, si je me trompe pas, j'en avais pas mal arrosé avec Snow. Enfin, quand je dis hier, vous comprendrez tous que c'est pas hier dans votre vidéo parce que je suis obligée de les installer. Hein. Elles sont séparées normalement de 5 jours. Je commence à avoir un gros décollage, il va falloir que je fasse une petite pause dans mon tournage, sinon on va arriver au mois de décembre avec encore des des vidéos qui ont un rapport avec l'été, ça va pas trop le faire. Mais c'est trop dur d'abandonner. Alors, est-ce qu'on aurait quelque chose d'intéressant ici? Histoire d'avoir une nouvelle petite robe pour la vidéo. Ouais, parce que je vois de loin, me donne pas trop envie. Hein. Tunique préhistoire. Oh si, elle est trop belle. Ouais, il me faut vraiment pas grand-chose. Hein. Allez, vite, on lui met tout de suite. Hop, ça on le met là. Ça on le met là. On essaye de le mettre là. Voilà, ma petite Zabou préhistorique. C'est dommage qu'on ait pas un joli chapeau qui irait bien avec, mais je crois pas que j'en ai un à la maison. Je vous rappelle que pour les freins et les chapeaux, j'ai toujours du mal avec elle. Autant pour Snow, on a trouvé un truc intéressant. Ça, c'était une grosse bébête. Hop là! Alors Snow l'a déjà ramené hein, au musée, donc on va pouvoir nous aller la revendre. J'ai un petit peu de repérage, voir s'il y a des choses dans le coin.
On laissera Snow tout à l'heure aller ramasser les fossiles et autres choses. Ça l'occupera un petit peu. On essaiera de voir aussi s'il peut peut-être retourner en ville, faire changer la couleur de ses chaussures. Chose qu'on n'a pas réussi à faire lors de la précédente vidéo. Parce qu'a priori, pour que Blaise soit en ville, il faut qu'il fasse beau. Et quand on est en ville avec Snow, de mémoire, il ne c'était pas le cas. Alors pour l'instant, je n'ai pas rejoué le soir. Donc autant vous dire que je n'ai toujours pas de requin. Et encore moins cette sale bébête de scorpion. Mais on va s'y atteler, hein. Il n'y a pas de raison. Oh là, les roses à arroser. Bou, 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 bou. Je vais peut-être pas toutes les faire, hein. On n'a pas l'air d'avoir d'hybride aujourd'hui, hein. Est-ce qu'il n'y a pas des choses particulières que je peux faire maintenant que j'ai ma pelle en or? Genre des herbes à clochette? Si on essayait... Faut que je regarde ce que j'ai comme sous sur moi, ça pourrait être sympa de se faire un petit herbe à clochette. Sauf s'il est piétiné comme tout le reste. Faudrait juste trouver un lieu sûr. Y a-t-il un lieu sûr dans ce jeu? Alors, à chaque fois, je lis la pancarte quand même. Bon, je t'arroserai un autre jour, toi. Voilà, les fleurs sont toutes belles aussi. Surtout que la petite Zabou doit essayer de garder ses sous parce que l'objectif, ça va être de faire construire un phare et une fontaine dans la ville maintenant qu'on a eu le nouveau pont. Allez, puisque t'arroses n'importe où, on va rentrer tranquillou chez nous pour aller voir ce qu'il y a à y faire. Moi, je vais déjà te vendre ma pelle parce que j'ai ma super pelle en or. Alors, la pelle de pourri, ça et ça. Les fringues, je remettrai à la maison. J'espère que tu peux faire quelque chose et que tu as des jolies choses pour moi en haut là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, mais est-ce que j'ai ce banc bleu dans ma pièce en bas? Par contre, ça, je veux. Je voulais justement un paravent pour séparer le lit dans la pièce. Écoutez, je vais acheter le banc bleu. C'est pas un drame si je l'ai déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Carpet pastel. Une sans blague. C'est tout le temps la même chose. Hein. Carrelage damier. Je veux deux collections, c'est quand même pas compliqué. Berk. Non merci. Un mur chalet, je l'ai déjà. Un mur rotin, à quoi ça ressemble ça? On va le prendre. Et ce sera peut-être pour Snow. Alors pareil, là on a ça. Et la coiffeuse rotin, je sais pas si on l'a. Dans le doute, je l'achète, c'est pas bien grave. Hein. Au pire, ça se revend ou ça va ira chez Snow. Oh, j'ai déjà dépensé beaucoup de sous, laissez-moi tranquille. On va passer à la maison avec tout ça. Histoire de voir si on arrive à faire quelque chose, qu'on regarde qu'on n'ait pas acheté des doubles. On va aller regarder les fleurs quand même. Voilà, les tulipes se portent bien, nous ont fait une tulipe blanche.
parc là va très bien. Moi qui voulais agrandir mon parc à hybride, il faudrait peut-être avoir des hybrides un jour. Hein. Oh! Encore quelque chose à creuser ici. Petit Snow va avoir du travail. On va arroser celle-ci. C'est fantastique. Je préfère la chance de laisser la chance à Snow de tirer les fossiles, il a l'air d'en avoir plus que moi. C'est peut-être pas des fossiles, soit dit en passant, mais bon. C'est peut-être simplement des gyroïdes, mais du coup, il aura plus besoin d'argent que moi. Je suis toujours en train de réfléchir à tenter mon arbre à clochette. Hein. Ma petite mère. Allez, on va à la maison, mademoiselle. On va voir si on avait le bon bleu. Je sais que j'ai mis un bon vert en bas, alors c'est maintenant que j'ai un bon bleu. Est-ce que je me... Bah non, j'ai mis un arbre ici hier. Ah, dommage, parce que ça aurait pu être la bonne planque. Le mettre ici, j'ai un doute pour mon arbre à clochette quand même. Il y a quand même souvent Aurore qui se promène. Je sais pas du tout où je pourrais le mettre. Ici? Il y a quand même souvent des gens aussi près de ma maison. Écoutez, je vous dirai... Si on qui ne t'entraîne à rien. Si ça marche pas, j'aurais perdu que 10 000 clochettes. C'est pas non plus le bout du monde. Enterré. Bien arrosé. Et empêcher les villageois de marcher dessus. Et moi la première d'ailleurs, parce que... Ce serait chouette d'y arriver. Voilà. On creuse les doigts. Allez, on va voir ça. Alors moi, dans mon idée... Ah oui, mais il y a la boîte à bonbons là qui me cassait les pieds. Bon, c'est pas grave, je peux la descendre. Hop. Je voulais mettre la séparation là avec le paravent. Il est où? Ah bah j'avais déjà des meubles de la collection Rotin en fait. J'ai la petite table là-bas. Non mais tourne! Voilà, comme ça tu démarques la chambre en fait. Voilà, c'est mieux! Bon, il peut plus approcher de son lit le pauvre. Elle peut plus se coucher. Maintenant elle peut! Je regarde si c'est une chaise quoi ça. Bonne question hein. Parce que du coup est-ce que je pourrais pas enlever ça? Ah ça me sert de lampe. Je vais enlever le secrétaire là. Je vais mettre le... J'avais dit pour Snow mais finalement pour l'instant on va mettre la coiffeuse Rotin chez moi. Qu'est-ce qui me reste du coup? Le distributeur à bonbons, secrétaire vert, le banc bleu et la chaise cédra. On va aller voir en bas. Est-ce que j'avais un banc bleu? Non. Bah je vais enlever le vert. Je vais mettre le bleu à la place. Voilà, ça rentre mieux dans la collecte quand même.
Je peux mettre du coup le distributeur à bonbons ici à côté de la télé. Ce que je peux faire, c'est aller poser. Pardon. Je vais mettre le reste dans mon armoire. Et s'il y a besoin pour Snow, et ben on saura où c'est. Parce que pour l'instant, de toute façon, ça va pas forcément avec sa collègue. Comme il a qu'une pièce, notre petit bonhomme. Mais le mur rotin, je le trouvais sympa, donc dans l'idée. On va rejeter un œil au chapeau. Beignet, chapeau de pirate. Bandana. Pompon rouge, ça sera pour l'hiver. Oh, excusez-moi. Chapeau badge. C'est quoi ça? On va essayer. Casquette pilote. Qu'est-ce que chapeau badge? Un truc qui va pas lui aller, je suis sûre. Oh, on a oublié. Non, j'aime pas. Il va falloir retourner chez nous qu'on a oublié de la soigner. Oh, quoi que vous savez quoi, j'en ai un dans le placard. J'en avais gardé un de au cas où. On va aller le chercher tout bêtement. Ça évitera de remonter jusque là-bas. Normalement, j'en ai un, ouais. Quand même pas la laisser avec cette tête, la pauvre. Voilà, petite Zabou. Tu veux toujours pas faire de toboggan? Non. On n'empêche que ma collection enfant, elle peine. Hein. J'ai deux meubles. Alors que j'adore cette collègue en plus. J'essaie de vérifier à l'étage si j'ai du rotin ou pas. Parce que du coup, on mélange un petit peu les collections. Non, ici, j'en ai pas. Bon bah dans la maison on a fait tout ce qu'on avait à faire. Faut que je me rappelle à tout prix où j'ai vu les fossiles pour notre petit Snow tout à l'heure. Je vais lui laisser les coquillages aussi, hein. Je fais un tour de plage des fois qu'un petit requin se promène. On est en plein jour, mais bon. En même temps ils viennent pas la nuit, alors faut bien qu'ils viennent à un moment ou à un autre. Toi, tu te casses de mon arbre là-bas. Qu'est-ce que j'ai planté là-bas? Bon, un truc qui de toute façon ne poussera pas, il date d'hier. On va le arroser à des fois qu'on arrive à le sauver. Je suis pas sûre qu'en arrosant à côté ça marche, hein. Déjà en arrosant dessus. Ne va surtout pas marcher près de mon arbre à clochette. Bon, en tout cas, c'est cool. On a réussi à avoir la pelle d'or et des oranges. Normalement, il ne peut plus rien leur arriver, sauf méga catastrophe et que je perde ma sauvegarde du jeu. Et là, ma vie est finie. Mais... Vous savez quoi? Vu comme je suis partie, je pense que ça va faire plaisir à certains. Je vais essayer de faire le let's play le plus longtemps possible. Et si on pouvait arriver à aller jusqu'à cette fameuse date horrible du 20 mars 2020 pour l'arrivée sur Switch? Parce qu'il va y avoir énormément de choses. Là, dans très peu de temps, je vais vous faire une nouvelle vidéo sur l'Insecto Safari. Après, il y a les événements, je crois, en octobre. Il y a les événements d'hiver également. Je les connais pas sur cette version-là, donc ça sera la découverte. Et puis, bien évidemment, maintenant, avec deux personnages, il y a double boulot. Si je veux faire évoluer les deux, d'ailleurs on va les rendre petite visite à Snow. Moi je trouve que le petit gars il s'en sort bien, mais il a déjà du rotin ici. Ouais, pour une première maison, c'est pas mal, hein. Malheureusement, ouais, dans les objets d'aujourd'hui, il n'y a pas grand chose pour lui, hein. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il a déjà une lampe, il a un truc pour dormir. Oh, j'aurais peut-être pu hier, il y avait un lit chalet. L'acheter pour changer le lit de l'étage, j'ai même pas pensé. Ça aurait été plus joli.
Ah, ma petite princesse, elle refait un petit tour, on va aller voir. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un tour de villageois. Et après, on va aller tranquillement chercher Snow parce qu'il a du travail aussi, hein. Et surtout, on aurait bien envie que Snow puisse aller refaire ses chaussures. Elles sont rigolotes, mais elles vont plus trop avec sa tenue. Et mon petit mec, j'aimerais bien qu'il soit plus beau. Bon, Zabou, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, sa couleur de chaussures, elle passe avec tout. Oh, petite Aurore! Coucou! Oh, tu as une puce. Mais si, mais j'avais plein de travail. Je vais essayer d'attraper ta puce. Voilà. Alors, on n'oublie pas, il y a un fossile là, je viens de le voir. Il y a un fossile ici, près de la mairie. Il y en a un près du musée, il y en a un près de ma maison. Pour une fois que je les vois, on va changer de personnage et je vais plus jamais les retrouver. Attends, je me pointe quand même avec une puce sur moi, hein. J'avais pas dit près du musée, mais on n'est pas au musée là. Non, non, non. Mince, je crois qu'il y en avait un par là. Oh, j'ai déjà perdu. Bon, c'était peut-être pas là, hein. On aura le temps de refaire le tour. C'était peut-être l'autre d'ailleurs, hein. Allez, on se fait un petit tour chez Maréchaussée avant de changer de personnage. Parce que le programme de Snow va être chargé. Mais bon, ils n'ont plus jamais rien, eux. Si je, il faut, je, faut que je récupère les pièges, sinon. Je vais aller les mettre à la poubelle. Sinon, ça va plus jamais se remplir. Le papier à lettres, je peux le laisser, ça peut être utile. Oui, bon, en même temps, tu sais, j'ai pris 4 pièges. Je suis pas sûre que ça va passionner grand monde, hein. Ah, il était là, l'autre. Oh, il y en a partout, c'est un truc de malade. J'espère qu'on va tous les retrouver avec Snow, hein, sinon je vais être triste au possible. Allez, on va jeter tout ça à la poubelle. Oh, une niche. Ouais, je vais la laisser pour Snow, il aura qu'à venir la prendre et la vendre. Moi, j'en ai déjà une. Voilà. La petite Zabou, elle va rentrer dans sa maison. Et elle va laisser place à son copain. Savez ce qui est encore plus horrible depuis que j'ai fait Snow? C'est que je me dis que ça serait juste génial de débloquer les 4 personnages pour utiliser les 4 maisons en même temps. Mais il faudrait arriver à convaincre mon employeur de m'offrir un an de vacances. Et là, je crois que c'est peine perdue. Attention, tu as un arbre à clochette pas loin, petite. Allez, pendant que Snow va travailler, ma petite Zabou va regarder la télé. Allez, on se donne rendez-vous tout de suite avec petit Snow. Et le voilà, notre petit bonhomme. Alors, Snow, comment te dire? On a vu plein de fossiles et on a déjà oublié où ils étaient. Alors tu vas commencer par faire les pierres pour essayer d'avoir des sous-sous. Et puis on les retrouvera bien au passage, hein. Il y en a un près de chez Zabou. D'ailleurs, il faudra faire super attention parce que si tu piétines l'arbre à clochette de Zabou, je pense qu'elle te tue. Oh, de qu'est-ce qu'il me voulait, lui?
Oui, je lui ai dit. Quel était le message exact? Ah bah bravo, mais je me rappelle plus. Oh, comme ils sont pas sympas, quoi. C'est un truc de malade. Mais c'est génial qu'il y ait des interactions, il n'y en avait pas comme ça sur DS. Mon petit mec, il va falloir qu'on aille en ville dès qu'on a fini la mission ici. Faut qu'on aille t'acheter des chaussures. Parce que là, ça le fait pas du tout. Oh, toujours rien. Il y avait quelque chose par là, non? Oui, ici. Un fossile! J'aimerais bien qu'on avance dans les fossiles, ça fait un petit moment qu'on stagne. Ah, près de la pierre, là aussi. Ah, un gyroïde. C'est pas grave. Ne piétine pas les fleurs. Alors, est-ce qu'il y a des sous là-dedans? Oui! Oh, pas mal. Ramasse pas les fleurs, hein. Bon, il a déjà bien fait de venir. Non, même si on les avait trouvés avec Zabou, hein, faut être honnête, on n'attendait pas sur lui. Mais bon, chacun ses petites tâches. Il vient d'arriver, faut qu'il fasse ses preuves. Alors, il y en avait encore un ailleurs, mais je sais plus où. Moi ça j'adore, je suis trop fan, je vais encore le jeu souffle dessus. C'est trop excellent. Où est-ce qu'il y avait un autre fossile? Il y en a un près de chez Zabou, c'est sûr. Ben, un autre fossile et un autre objet enterré en tout cas. C'est un gros poisson, non. Je guette, hein, parce que si c'est des gros, c'est des Arayama ou je sais plus comment ils s'appellent. Et ben, plein de thunes, ceux-là. Oh, je suis contente d'avoir fait ce personnage. Voyez, regardez, ça pourrait être sympa de refaire une maison ici, maintenant qu'il y a le pont. On partirait de très loin, encore une fois, mais ce serait chouette. Pour avoir plein de monde en ville. Bon, de toute évidence, c'était pas par là. Oh, deuxième! Encore. Attends, là, on verra mieux. Viens là. Oh, c'est trop mignon! Comme je vous disais, je pense que la prochaine vidéo, ce sera l'insecto safari. Alors, je ne sais pas encore comment je vais l'organiser. Peut-être que je vais laisser un temps, le même temps, à chacun des deux, pour voir qui c'est qui le remporte, tout simplement. Ça pourrait être sympa. Oui, un deuxième fossile, ça fait trop longtemps. Ça pourrait être marrant de mettre une concurrence entre les deux. Ah, tu vas t'approcher de la maison de Zabou, mais fais gaffe à tes fesses, petit gars. Parce qu'il y a certes un truc à ramasser, mais il y a un truc à ne surtout pas piétiner. Alors passe par derrière. Si tu tiens à ta vie, ça me semble être la meilleure des solutions. Et un gyroïde! Voilà, alors on a là ma clochette. On va lui faire ramasser des coquillages. C'était quoi ce poisson-là? Oh, ça, c'est un gros qui vaut des thunes.
Concentration ultime. Tu vas dessus ou pas? J'ai toujours peur de relever et de le faire fuir en fait. Ça, c'est pas un bar commun. Oh, celui-là, aucune chance de le choper. Pourtant, j'ai vraiment été dans le bon timing. Ah, l'angoisse! Je m'imagine déjà plein de thunes. C'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Allez, petit père, on fait le tour des fois que. On voit quelque chose. On va chez Paténouk. Te remplumer un peu. Non, bon, on va passer au musée. Parce qu'on va pas le faire dans le mauvais sens. Non, tu ramasses là, tu ne pêches pas. Ah, déjà. Bah, tu peux pas rancher non plus, tu sais. Allez. On va aller au musée. On a déjà trouvé pas mal de choses, hein. Bon, je lui ferai pas le coup de fouiller les arbres. Ah, il y avait aussi le petit meuble que je voulais aller chercher. Du coup, on va aller au musée. En premier, en espérant qu'il y ait au moins des deux fossiles qu'il n'ait pas. Ça permettrait de libérer une place. Et du coup, on pourrait aller prendre le meuble qui est dans la poubelle. Et après, vous croisez les doigts avec moi pour qu'il fasse beau en ville. Ah, je me suis trompée. Quelqu'un dira, oh, ben, c'est un fossile, mais il n'a pas été découvert. Attends, laisse-moi l'examiner. Allez. Oui! Ah, j'ai pas, du coup, j'ai même pas lu. Tellement j'étais contente. Ça serait super qu'on puisse enfin le reconstituer, l'ankylosaure. Oui, s'il te plaît. Allez. Ah, mince. Bon. Bah non. Du coup, on a récupéré quand même une place. C'est quoi? On va aller voir au fossile, du coup, où est l'ankylosaure. Oui, en même temps, c'est qui l'ankylosaure? Ça, c'est le stégo. C'est un crâne. Bah, c'est lui. On a sa nouvelle tête. Oh, on y arrivera tout doucement, hein, à remplir ce musée. C'est sûr que c'était plus facile du temps où on pouvait faire des échanges, mais bon. Ça rallonge le plaisir de jeu, c'est ça qui est cool. Alors donc j'ai récupéré une place. Je refouille bien partout encore. Je sais pas si chez ma rez-de-chaussée il y avait que des lettres. C'est ici. Je vais aller chercher le meuble, tout simplement pour le revendre. Je sais même plus ce que c'était d'ailleurs. Une niche, oui, effectivement, j'en ai pas besoin. On va aller vendre tout ça. J'espère que mon arbre à clochette, il va pousser. Pas spécialement pour l'argent, hein, mais parce que ça serait sympa. Je sais même pas si je l'ai déjà fait sur 3DS. Allez, va vendre tout ça et après tu prends le bus. Alors faudra pas hésiter à me dire en commentaire ce que vous pensez en fait de ce mélange du coup. Alors je ferai des fois des vidéos où il y aura que Zabou, d'autres où il y aura que Snow. Mais quand je peux comme ça, quand il y a des choses à faire avec les deux, ben, j'aime autant les mettre tous les deux sur une même vidéo. Parce que vous imaginez que si je dois faire à chaque fois une vidéo par personnage, j'en ai pour trois plombes. Et comme je vous dis, on finira par regarder mes vidéos dans 2 ans. Donc moi j'aime autant... Je voulais lui faire planter des petits arbres aussi, c'est vrai.
Mais après, c'est important que ça vous plaise aussi, donc faut me dire. Surtout pas m'hésiter à me dire. Hein. Voilà, on va aller planter trois petits arbres en chemin. Essayez de trouver un endroit. Parce que paraît-il, notre ville n'est toujours pas assez verte. Oh là, je crois que je l'ai mal planté. Déjà, ça commence pas bien. Ici, c'est pas une grande idée. Ici, par contre, je pourrais peut-être en planter un. Parce que même s'il y a du passage, mais il y en a plus, parce que j'avais un peu coupé. Il y en a encore un là, je me disais bien que j'en avais vu un autre. Oh, c'est encore un fossile, on a eu trois fossiles dans la même journée, je n'en crois pas mes yeux. Alors, avant de retourner au musée, cherche un endroit pour planter un arbre, petit homme. Ah, ici, il y en a quand même pas mal. Hein. Ici? Bon, après, ceux-là, s'ils poussent pas, c'est moins grave. Le plus important, c'est que j'ai mon oranger. Vous imaginez pas comment ça me fait plaisir de l'avoir enfin. Il a tenu, c'est fantastique. C'est une super vidéo, j'ai ma pelle en or, mon oranger, on a trois fossiles. Ça sera encore mieux. C'était encore un nouveau. Si on pouvait en finir un d'ailleurs même. Alors attention. Oh non! Écoutez, je vais pas vous faire le supplice de retourner chez nous maintenant. Je vais le garder sur moi et on va en ville essayer de se faire des nouvelles chaussures. Je veux des chaussures bleues, je veux des chaussures bleues. Là, on dirait des petits chaussons, mais après, elles sont toutes choupinettes, hein, je dis pas le contraire. S'il me fait les mêmes à poids, mais en bleu... C'est dommage qu'on puisse pas garder les chaussures dans celui-là. Et prier pour qu'il pleuve pas, hein. Sinon il est pas là, Blaise. Je suis pas fan d'aller en ville pour rien. On croise les doigts. Quel temps il fait? Il a l'air de faire beau. En tout cas, sur la route, c'est le cas. Eh, hey, dites-moi qu'il fait beau. Oui! Donc, normalement, Blaise doit être là. Ou alors, j'ai rien compris. Vas-y. Ta couleur. Si tu mets pas du bleu, il y a un petit problème, gars. Et ben voilà. Il est tout beau maintenant. Tout beau, tout beau. Tiens, fais-toi des copines. Ah oui, ben ça arrive souvent. Sans blague, les habits chez Carla, c'est une arnaque. Sans nom. Je suis nouveau, tu pourrais pas m'offrir quelque chose? Oh! Bah mince alors! Est-ce que ça voudrait dire qu'on va changer de collection?
Oh non! Je n'ai même pas pu la commencer. Ah oh, mince! Le problème, c'est que s'il n'y a plus rien... Il manque déjà 4 meubles, mais fallait le savoir. Pourquoi personne n'a dit qu'il y avait les soldes? C'est une catastrophe. C'est peut-être marqué sur le tableau d'affichage en même temps. Oh, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. De toute façon, j'aurais quand même pas tous les sous pour tout acheter. Hein. Eh ben, Renard, il n'a pas beaucoup d'amis. Hein. Allez, on rentre en ville. Du coup, il faudra que je regarde comment fonctionne la galerie Carla. Parce que je me dis que si là, on arrive mi... Alors, là, je tourne, on est mi-juillet. On est en solde. Ça veut peut-être dire qu'ils vont changer à partir du 1er août la collection. Et du coup, il faut peut-être attendre tout simplement la fin de la période à chaque fois pour les avoir en réduc. Ouais, j'ai des nouvelles chaussures trop classe. Il faudrait surtout pas que je dise à Zabou qu'il y avait des salles chez Carla parce qu'elle va péter un plomb. Moi je suis désolée, j'ai le cerveau qui part dans tous les sens, mais j'ai envie de penser à l'Insecto Safari. Je vais peut-être faire comme ça, le faire en deux étapes. Chacun un temps imparti, et puis que le meilleur gagne. Allez, on va lui faire capturer quelques petits insectes, histoire de se refaire un peu de sous. Allez, il a trop la classe avec ses chaussures. Vous me direz comment vous le trouvez, mon petit bonhomme, hein? J'ai pas envie de l'emmener chez le coiffeur pour l'instant parce que bah, comme j'ai la casquette ça sert à rien. Mais peut-être que plus tard on ira quand il aura plus de chapeau. Et je lui ferai peut-être une belle couleur électrique genre du bleu ou du violet ou avec une coupe toute dans le nimpe. Encore? C'est la teuf aujourd'hui. J'ai jamais trouvé autant de trucs à déterrer. Plus j'y joue et plus j'en suis dingue, c'est quand même incroyable ça. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mais moi ça m'étonne encore. Puis il y a mon nouveau petit pont. Bonjour. Bah heureusement parce que j'ai oublié de te le chercher. Ça c'est Aurore. Bah, y a plus de bébêtes. J'en entends. Bon bah écoutez, on va se diriger doucement. Ah, je regarde comme s'il n'y a pas un poisson. Un gros poisson. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Est-ce que tu connais Pierre de Babylone? Qui ça? Eh ben, désolé, je ne les ai pas guisés. Allez, on va quand même vendre nos trucs chez Nook. Puis on va rentrer à la maison se reposer. Alors, vidéo sera un petit peu plus courte que d'habitude. Mais vous aurez vu mes deux petits bonhommes. Et je vous dis, la prochaine... Si je me plante pas, s'il n'y a pas catastrophe, si je me suis pas trompé de week-end comme le mois dernier, ça va être un Insecto Safari de folie. Bon, j'espère que j'attraperai mieux les insectes qu'à ce moment-là.
Parce que sinon, ça va pas le faire trop beaucoup. Ne marche pas là-dessus, s'il te plaît. Et demain matin, quoi qu'il arrive, je me reconnecterai vite fait avec Zabou pour vérifier que mon arbre à clochette a marché. On va pas lui laisser faire courir trop de risques. Un papillon, viens là. Hop. C'est cool cette saison, il y a plein d'insectes. Parce que même si ça rapporte pas énorme, il y en a tellement que ça monte quand même vachement vite. Allez, dernier voyage chez Nook. Et lui aussi, il va rentrer. Sauf que, bah, pauvre petit Snow, bah, il a pas de télé dans sa maison encore. Est-ce que Snow, il peut commander des objets? Je vais les regarder. Que Zabou a trouvé. Oh, j'ai oublié un gyroïde. Je vais vendre encore. Au catalogue. Non, je crois que j'ai que ce qu'il a eu lui, hein. Non, j'ai que ces objets à lui. Bon, après, je peux très bien commander des choses avec Zabou si ça m'intéresse, hein. Et lui en donner aussi, bien évidemment. Oh, je m'en remets pas, mais il est trop beau, ce petit bonhomme. Puis une fois l'insecto safari passé, on ira planter des oranges. Et voilà ta petite maison, mon gars. Et ce couloir devant la porte, des fois qu'il y a un cadeau. Parce que là, c'est pas très grave, tu sais, tu peux rentrer très vite. T'éloignes pas trop quand même, hein. Bon, bah, il n'y aura rien eu. C'est une dernière tentative. Tiens, tu gagnes 100 pièces. Eh, tu commences à avoir des sous, hein? Bon, faut pas oublier que tu dois rembourser Nook, hein. Si tu veux avoir une deuxième pièce. Et voilà. Il se met à table, derrière sa fleur. Bon, le pauvre n'a même pas sa tête. Alors voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, double, hein, double vidéo, Zabou. Snow, des petits objectifs différents. On a fait évoluer un petit peu les intérieurs, surtout sur l'Itzabou. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser tout plein de commentaires. Moi, j'adore lire vos commentaires sur les vidéos Animal Crossing. Sur les autres aussi, bien sûr, mais sur celle-là, ça me touche particulièrement. Et je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien.